sans soirée rayonnaire. Alors là, c'est l'association Le Cap. Là, nous allons mettre Le Cap à côté Ayo aussi, il faut écouter la Réunion, peut-être des Mauriciens, tout ça, et puis tout le monde qui l'a reçu. Nous préférons parler Tibouin pour nous préparer du Cap, la présidente aussi, plus les gens qui sont là. Tu vois, il y a même des gens à côté, il y a sauté à moi là, il y a commencé à moi, oh là 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 là, Gaka Fouine, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, je vais laisser la parole un peu à Lydia, tout à l'heure, Lydia qui a parlé, puis. Parce que l'idéal est bien, il faut pas comprendre, hein, local 5 tout partout, maman là. Je suis avec Miguel Serbin, donc, qui a répondu à l'association Le Cap aujourd'hui. Donc nous sommes à Tigery avec elle. Miguel, bonsoir. Bonsoir. Alors Miguel, quel est le stand que vous nous présentez ce soir? Alors, je présente le concept Napi de France, qui est un concept qui tend à valoriser le cheveu crépus. La femme qui porte le cheveu crépus en ville, la femme pour qu'elle soit coquette, professionnelle, voilà. Et donc ce soir, je suis là avec différentes marques, parce qu'en fait, je représente plus différentes marques de produits capillaires qui sont spécifiques en fait aux cheveux crépus, frisés, bouclés, parce que ces produits-là en fait apportent de l'hydratation aux cheveux et gardent l'hydratation dans le cheveu. C'est vrai qu'il faut des soins tout particuliers pour les cheveux noirs. Donc à part les produits pour les cheveux, il y a quoi? On trouve quoi chez vous? Alors il y a aussi des bijoux. Parce que moi en fait j'ai commencé le concept Napi de France en tant que coach conseillère en image. Donc pour moi il fallait que la femme noire qui porte ses cheveux crépus soit coquette jusqu'au bout. Et donc lorsqu'elle vient dans un événement ou lorsqu'elle vient dans un projet Napi de dans un événement Napi de France, elle sait qu'elle trouvera de quoi en fait s'occuper de ses cheveux, de quoi en fait se maquiller, se faire belle, mais aussi pour parfaire le style, elle peut repartir avec des bijoux, des petites choses comme ça. C'est vous qui créez les bijoux? Ah non, pas du tout. C'est toujours pareil, en fait, c'est aussi des partenaires qui s'associent et au concept Napi de France. D'accord, bah écoutez Miguel, je vous souhaite une excellente soirée et puis j'espère que vous aurez beaucoup, beaucoup, beaucoup de visiteuses, de visiteurs. Très belle soirée à vous. Ben merci à vous aussi et puis peut-être à tout à l'heure pour une démo. D'accord, bah pas de souci. Merci beaucoup. Awel, bonsoir. Bonsoir. Donc Awel, jeune chanteuse, de quelle origine? De l'île de la Réunion. Parfait, donc Sega, Zouk, on vous a vu tout à l'heure sur scène, et puis vous n'étiez pas toute seule? Non, pas du tout, hein, avec un autre Awel dans le ventre. Donc peut-être futur chanteur ou chanteuse, je ne sais pas. Voilà. Depuis combien de temps, Awel, vous chantez? Ben, ça fait depuis mon plus jeune enfance en fait, depuis l'âge de 13 ans. Donc voilà, j'ai commencé avec un groupe, j'ai commencé à faire du rap, du raga et puis un peu de R&B, ça m'a plu. Alors combien d'albums jusqu'à maintenant? Pour l'instant, il n'y en a pas encore, mais j'ai quand même un single numérique qu'on peut trouver sur internet, sur iTunes et plein d'autres sites. Donc voilà. D'accord, et donc ça s'appelle comment? J'y crois encore. Et le deuxième titre, puisque vous avez chanté deux titres tout à l'heure, le deuxième titre? Le deuxième titre n'existe pas encore, pas vraiment. Ah, c'était donc une exclusivité. Voilà, une exclusivité que je suis en train de préparer avec mon beau-frère, justement, parce que habituellement, ça se chante à deux. Ouais. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai dit, bon, allez, je vais chanter toute seule, même s'il n'est pas là. Voilà, et puis, quand ça sortira, on sera à deux à sortir. Moi, et puis le Madine Créole. Il faut dire que le Madine Créole, c'est un peu les organisateurs, parce qu'il parle un peu au créole, rayonnais un peu. Ouais, mais Mikos rayonnais, oui, bah, nous fait deux ou trois soirées, on arrive une petite association, bah, bientôt il appelle Madine Créole. Et à moi, mon cousin et Mylène. Nous les là pour mettre les dômes, les créoles ensemble, toutes mélanges et voilà, nous fait la fête. Mais combien de temps vous faites à où ça? Combien de temps? Ben, aujourd'hui c'est mon première soirée.
notre première soirée et nous pensons pas arrêter là. Normalement, le 31 décembre, nous avons fait notre soirée. Alors, vous, à part pour une fois, Mamaï, parce que vous êtes pas bon fort au Vervilliers, tu as fait partie de l'association aussi, il faut bien préciser les choses. Oui, alors moi j'étais avec le Zoul, donc on a fait le Fancy Fair. Et là, mais avec Banala, nous ça fait le Bédine Créole. Donc là, comme il a dit, hein, c'est pour rassembler tous les créoles ensemble, toutes les nations, et voilà, et faire la fête. Voilà. Alors, est-ce que c'est première fois ou dernière fois, ou le 31 bientôt? Le 31 c'est bientôt, mais est-ce qu'on pensait à faire l'année prochaine encore? Ah oui, l'année prochaine, il y a la Saint-Sylvestre, il y a aussi la Saint-Valentin, il y a. Non, ça continue là. Hein. C'est chaud là. Alors. Vous êtes en costaud, vous avez une garde du corps aussi, vous? Ah, il faut, obligé, oui. De toute façon, on est là pour nous mettre en haut et avancer, on va pas baisser. Même si c'est le premier, ça sera pas le dernier. Ouais. Tout à fait, et puis, il faut dire aussi, il y a un chef aussi, qui a un béret de Mylène. Hein. Voilà, on est motivé, on est à fond, donc comme il a dit, on va pas s'arrêter, et on va aller de mieux en mieux, et voilà. Eh bien, les Madines, Maradisot, merci. Merci à vous aussi, mais on va les créoles guadoupéens, on va couper, on va pas l'aider. Et vous, qui n'avez pas parlé? Non, on ne va pas parler créole. On va pas parler créole rayonnée. Moi, parler créole rayonnée. Voilà. Ouais. Si, moi, parler. Mais moi, comprendre. Alors, maman, là, monsieur, c'est garde du corps, moi, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a à manger ce soir? Alors, ce soir, il y a un chef-ci crevette, un rougail saucisse. Bah, c'est le repas typique de la Réunion. Et un poulet massalé. Ensuite, on a du riz, haricots blancs en accompagnement et des rougailles tomates et sauce citron. Tout ce qui dit la Réunion, quoi. Typique. Alors, et la salade, là, il y a une salade devant là, et c'est fait à base de quoi? Alors, la salade, elle est faite à la base de tomates, avec du gros piment, des oignons, du sel, voilà. Et aussi une sauce au citron, et des oignons et du piment. Et le piment, la pâte de la Réunion, celle qui est super, super piquant. Aïe. Ah, mais avant ça, ils ont déjà pris ce qui va avec. Aussi, oui. Alors, le piment à prendre avec modération. C'est pareil avec ce qu'on boit aussi, il faut le prendre avec modération. Voilà, l'éponge et tout sont avec modération, bien sûr. On est là pour ça. Eh bien, merci Mylène. Eh bien, nous allons parler un peu avec les gens pour voir ce qu'ils pensent. Oui, bien sûr. Ben, faites et bonne soirée à vous et bon appétit. Merci beaucoup. Au revoir. Mamie, j'aime ça.